Salut, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver au réveil ce mardi en direct sur Canal 3 Bénin. À vivre avec nous l'actualité au Bénin et en France à l'heure du débat au sommaire et dans quelques heures, l'installation et la prestation de serment à des membres du nouveau bureau du Conseil national du patronat élu le 25 mai dernier conformément aux dispositions des nouveaux tests qui régissent la fêtière. Eustache Gustave Coutinga a conduit son bureau en audience au palais de la Marina. C'était hier. Les échanges avec le chef de l'État, Patrice Talon, ont porté sur la nouvelle vision du CNP Bénin pour faire du secteur privé béninois un pôle de développement durable. On en parle ce matin au forum. Nous ferons nos analyses sur les résultats du second tour des législatives en France. C'est un revers pour le président Emmanuel Macron, la coalition présidentielle Ensemble, qui le porte, n'a pas obtenu la majorité absolue au sortir des urnes. Comment fera-t-il pour réussir son second quinquennat sans majorité à l'Assemblée nationale? La question au cœur de nos discussions dans la deuxième heure d'Actu Matin avec un juriste internationaliste, observateur et analyste de la politique française. Guidez-nous, Steve Poton sera avec nous. On fera un parallèle avec les législatives à venir au début du mois de janvier 2023 au Bénin. Et le message du président Patrice Talon à son homologue français à travers un post sur la toile fait bien l'objet de débats dans l'opinion. On va y revenir. Mardi, santé, il sera question du côlon le plus. Pardon, la plus longue partie, voilà, la plus longue partie du gros intestin. On parlera des anomalies et surtout de ces maladies qui l'affectent. Alors, il faut penser à son nettoyage régulier et c'est ce que nous verrons avec notre invité santé, Ignace Nwekounou, dans la première heure. Il est massothérapeute. Merci d'être avec nous. Actu Matin, c'est ici maintenant. Eh bien, dans la suite de ce numéro d'Actu Matin, vous aurez votre mini-journal avec William Cliquant. Il sera question du rôle du développement de la gastronomie béninoise dans l'éclosion touristique enclenchée au Bénin. C'est un magazine que nous propose la rédaction de Canal 3. En ouverture du mini-journal, le spécialiste de l'art culinaire local et averti de la question explique les enjeux liés à ce compartiment non négligeable du tourisme dans le pays. Et puis, journée d'intense activité à la Haute Autorité de l'audiovisuel et la communication. C'était hier lundi. L'instance régulatrice des médias a signé des conventions avec les promoteurs des nouvelles radiodiffusions sonores autorisées au Bénin. C'était la dernière activité à l'ordre du jour de la première session ordinaire de cette année 2022. Le mini-journal, ce sera avec William Cliquant. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Merci d'être là. On va découvrir les gros titres de la presse. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. En fin d'édition, vous aurez votre revue de presse, l'occasion de revivre les gros titres de la presse ce matin. Et nous allons démarrer avec le journal Fraternité qui parle économie et conditions de vie des populations et présente le tableau peu réluisant de l'afro-baromètre. C'est à découvrir en pages 4 et 5 ce matin. Et puis la première journée du baccalauréat 2022. Le journal précise que c'est une belle entame chez les candidats organisés. Organisation satisfaisante dans les centres de composition. Et puis à la criette, détournement d'argent mis sous scellé à la brigade économique et financière. Dalila Bissaloué risque 10 ans de prison en ferme. Et puis République démocratique du Congo, la dépouille de Patrice Lumumba remise officiellement à sa famille par la justice belge. Un autre journal, il s'agit du quotidien de service public La Nation, qui parle de cette actualité. Audience au Palais de la Marina, Patrice Talon reçoit le nouveau bureau du patronat. Il faut préciser que c'est aujourd'hui que ce bureau sera officiellement installé et il y aura prestation de serment de ses membres. On veut parler donc des membres élus. Et puis sécurité numérique au Bénin, l'ANSSI en campagne pour la protection des utilisateurs d'Internet. Le journal Matin Libre qui parle ce matin de la Fédération béninoise de handball. Sidikou Karimou met cette commission en place. Législative de 2023 et survie des partis politiques. Sur quoi compte restaurer l'espoir, DUD ou encore GSR? C'est la question que se pose le journal ce matin. Son analyse est à découvrir en page 2. Et puis négociation. Gouvernement, partenaires sociaux, le dialogue social est au mieux de sa forme selon Adidiatou Matisse, ministre de la fonction publique. Le matinal, polémique autour des rapports sur la gestion des fonds Covid, un bon départ pour la Cour des comptes, écrit le journal. Législative de 2023, une LEI, c'est-à-dire une liste électorale informatisée, fiable et consensuelle, c'est l'autre défi, difficile équation de participation pour les petits partis politiques. L'autre vision, au nom de la femme, c'est l'ouvrage qui révèle la face cachée de Claudine Prudencio, la preuve que la présidence de l'Institut National de la Femme maîtrise bien son sujet. Et puis, du bon samaritain, office du terroir révélé, Talon concrétise de vieux projets de développement dans la commune de Savet. Et là, c'est une chronique que nous présente Maître Kéindé Paulin Akpolan. Éduc Action. Examen du baccalauréat 2022, moins d'absents dans les centres de composition, c'est le constat du journal. Et on va boucler avec l'économiste ce matin, sécurité alimentaire dans le monde, les membres de l'OMC favorables à une assistance financière au PMA. Et puis arnaque dans les transactions, il faut protéger les utilisateurs de Mobile Money. C'est l'appel du journal ce matin. En fin d'édition, vous redécouvrirez les unes de la presse ce matin. Allez, restez avec nous, le mini-journal. Touro, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif pour contre-attaquer le bon... Bon anniversaire. Je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Libre son gâteau. Bon anniversaire. Canal Plus a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal Plus vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Dans
Dans le processus du développement touristique d'un pays, l'un des grands projets d'attraction est bien évidemment et bien sûr la gastronomie. Goûter aux saveurs locales comme le séjour des voyageurs en visite. À l'heure de la promotion du tourisme au Bénin, Melvin Aranzo et Elvis Tonocoin ressortent ici la place à accorder à l'art culinaire pour une plus grande éclosion de ce secteur. Vous en verrez plein ce matin. Voici le reportage présenté par William Clican. La gastronomie béninoise propose toute une panoplie de couleurs et de saveurs. Des procédés de cuisson, au bonheur que ces mets procurent aux papilles, en passant par la présentation des plats, il y a de quoi intéresser un touriste en visite au Bénin. L'art culinaire est un héritage longtemps conservé, nous confient plusieurs personnes approchées. Parmi ces plats, il y en a qui sont exportables et bien appréciés des touristes. Pour moi, la gastronomie, c'est créer du bonheur. Et créer du bonheur, il faut le faire avec les produits du terroir. Et quand tu vas travailler ces produits, tu crées le bonheur, mais tu le crées pour toi d'abord, ta passion, ton plaisir, et par la suite pour tes convives. Quand les touristes sont là, l'argent qu'ils dépensent pour se divertir, pour manger, est répercuté directement dans la population. Parce qu'ils vont manger la nourriture produite par les cuisiniers, dont les éléments sont produits par les paysans, vendus par les commerçants. Au sud, les gens consomment plus le poisson. Au nord, les gens consomment plus la viande. L'avantage de la gastronomie également au niveau politique, c'est la capacité de pouvoir réunir des personnalités autour d'une table. C'est la diplomatie également. C'est le développement économique qui est engendré par ces différents engouements. Si on va parler des mets locaux qui doivent être promus à l'étranger, comme à Tchèque, en Côte d'Ivoire, je peux parler un peu de Djao, Bomio, du Dakouin. L'Union Pilé, Ablo et Wasawasa, parce qu'en général, à part l'Union Pilé, les autres techniquement ne sont pas difficiles à faire. L'Union Pilé, maintenant, on ne peut pas soulever. Aujourd'hui, toute l'arsenal de l'Union Pilé pour voyager, pour aller le faire. Mais on a essayé de travailler d'une manière où l'Yam Pilé peut se faire autrement. J'ai pratiquement goûté tout ce que le Bénin pourrait produire. Mon petit coup de cœur ira plutôt vers le bécuit, par exemple. Il y a le ma, il y a l'ablo, que j'aime beaucoup aussi. La cassa, que je revisite encore assez régulièrement. Il ne faut pas oublier non plus l'aspect traditionnel, l'aspect basique, culturel, qui lui a sa valeur également. Donc le fait de vouloir transformer à tout prix n'est peut-être pas non plus un objectif. Mais pour séduire éventuellement à l'international, pour séduire les touristes. La gastronomie nécessite un important investissement quand on veut lui donner une dimension touristique. Il faut des praticiens aguerris et performants. Grâce à ces différents sortes de festivals, beaucoup de chefs cuisiniers ont montré leur talent. Les différents festivals qu'on a pu vivre ici au Bénin sont très importants. Ils vont évidemment mettre la lumière sur la qualité, sur la diversité des produits qui sont actuellement accessibles au Bénin. Il y a un travail également de fond qui est fait au niveau de l'agriculture, où on va proposer aujourd'hui une qualité par rapport aux aliments, également la valorisation des produits. Pour moi, en matière de formation en restauration, le Bénin a de main-d'œuvre réellement qualifiée. Mais juste ce qui décourage est que ces main-d'œuvre ne sont pas valorisées. C'est-à-dire, il y a des cuisiniers qui ont du talent, qui ont vraiment du talent, mais on ne les voit pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont payés à un salaire ou je ne sais. Il faut qu'on essaie aussi de nous trouver des lois qui vont nous favoriser. Donc le gouvernement doit avoir un œil et voir clair dans la formation. Ils n'ont qu'à essayer aussi d'organiser des compétitions ou bien des concours pour que les jeunes essaient de sortir leur art et qu'on trouve des start-up. Donc ils n'ont qu'à penser à investir aussi dans la gastronomie et ça va donner, il faut trouver des lois, il faut voter des lois qui vont vraiment les valoriser parce que c'est leur valorisation qui manque et il faut redynamiser ce secteur pour que ça prenne réellement. On a réellement un souci de développement au niveau socio-professionnel. Évidemment, les partenaires privés sont les bienvenus dans ces secteurs puisqu'ils accompagnent les efforts du gouvernement. D'ici quelques années, je pense que le Bénin aura une figure tout à fait différente
et on prendra rendez-vous peut-être dans 3-4 ans pour en reparler. Vous verrez que les choses auront bien évolué. Les spécialistes, eux, ne voient le développement touristique du Bénin qu'en la valorisation des mets typiquement locaux, ce qui lancerait une concurrence sur d'autres marchés. Voilà, du goût en bouche, au goût de vivre, c'est bien ça, le Bénin. Allez, William Cliquant, nous sommes aujourd'hui mardi, le deuxième jour de l'examen du baccalauréat, session de juin 2022. Puisque hier, c'est à Ouida que la cérémonie officielle de lancement des épreuves écrites s'est tenue au Collège d'enseignement général 1 Bertrand Dagnon. Deux ministres du gouvernement, Kouaro Yves Chabi et Léonore Yahi Ladécan, suivis des autorités locales, ont donné le top de la composition de cet examen. On retrouve Teddy Goudalo pour les détails. C'est un examen, ce n'est pas un concours. Ça veut dire que nous pouvons espérer 100%, n'est-ce pas? Des mots d'encouragement du ministre Kouaro Yves Chabi à l'endroit des candidats à l'examen du baccalauréat, session de juin 2022. Quelques minutes avant le lancement officiel. Nous avons eu plus de 64%. L'an dernier, nous espérons avoir de meilleurs résultats dans cette année. Ensemble, avec son collègue en charge de l'enseignement supérieur, ils ont donné le top de cet examen qui donne accès aux études universitaires. Vous êtes dans de très bonnes conditions. Les superviseurs sont là, les chefs sont. Vous n'aurez aucun problème. Le gouvernement a joué sa partition. Les parents vous ont suivi, encadré, il ne reste que vous-même pour affronter l'examen. Nous avons vu un centre très propre. Nous avons vu des candidats vraiment concentrés. Et nous avons lancé l'examen dans une salle, série C, où les filles dominent. Dans ce centre du Collège d'enseignement général 1 Bertrand Dagnon de Ouida, 558 candidats, dont 302 filles, composent. On note ainsi une participation massive de la gente féminine, surtout dans la série scientifique, ce qui constitue un signe positif pour Léonore Yahi Ladécan en vue de la promotion des filières techniques que prône le gouvernement. Aujourd'hui, nous avons identifié la série C qui comporte en plus de filles et de candidates que de candidats pour donner ce symbole-là et les encourager et à aller toujours dans ce sens-là. Il faut noter ici que nous avons 5 séries, à savoir la série C, la série D, la série G1, G2 et G3 qui composent dans ce centre. Je voudrais remercier sincèrement le gouvernement qui a choisi Ouida pour abriter le lancement officiel des épreuves du bac édition 2022. Ouida est honoré et je pense que les réformes engagées dans le secteur de l'éducation par le président de la République et son gouvernement a donné ses fruits. Pour mieux s'assurer du bon démarrage de l'examen dans la commune, deux autres centres ont reçu la visite des autorités ministérielles. Il s'agit des CEG 2 de Ouida et de PAU. Pas de dysfonctionnement enregistré dans ces différents centres de composition. Ici, dans le littoral, c'est le Collège d'enseignement général de Ouira qui a abrité le lancement officiel des épreuves écrites. La cérémonie a été conduite par le préfet du littoral et le maire de la ville de Cotonou, Narcisse Alosset, Henri Gantier. C'est donc parti pour 3 jours de composition pour tenter de décrocher la clé d'entrée au monde universitaire. L'examen du baccalauréat session de juin 2022 démarre ainsi sur l'ensemble du territoire national. Pour le compte du département du littoral, c'est le CEG Ouira que le maire de Cotonou et le préfet du littoral ont choisi pour lancer officiellement les épreuves. Nous sommes là plutôt rassurés de ce que nous avons vu. Rassurer du sens d'organisation des diverses autorités de l'enseignement supérieur. Nous sommes là rassurés de ce que les candidats sont là aussi et assez calmes mais aussi assez sérieux. Et je crois que cette année sera meilleure que l'année passée. Je voudrais rappeler que c'est le troisième exercice de cette saison
puisque avant le bac, nous avons eu le CEP, le BPC et aujourd'hui le bac, qui se déroule dans d'aussi bonnes conditions que les deux précédents exercices, c'est-à-dire une organisation à bonne date, des étudiants, des candidats bien préparés en raison d'une année scolaire sereine. Même si le premier au baccalauréat 2021 était issu du collège Bakita dans la commune d'Abomey-Calavi, dans le département de l'Atlantique, le littoral était en tête du classement national. Et pour la session en cours, Cotonou veut encore avoir le meilleur score et les autorités y ont déjà contribué au cours de l'année scolaire à travers l'organisation des travaux dirigés au profit des candidats. C'est un complément au travail combien grand effectué par les professeurs. Je crois que tout ceci ensemble nous donnera un très bon résultat. Ce à quoi nous attendons, c'est que les candidats puissent jubiler à l'annonce des résultats. Nous y croyons. Nous avons demandé que la chance les accompagne, qu'ils soient surtout en bonne santé pour les quelques jours. Le CEGE Weiha accueille 964 candidats sur les 10792 répartis dans les différents centres d'examen dans le département du littoral. Après le lancement officiel des épreuves, la délégation du préfet et du maire s'est rendue au collège Les Pylônes à Agla, puis au CEGE du littoral à Akpakpa pour constater le déroulement de l'examen. Les compositions prennent fin mercredi prochain. Vous l'avez compris, c'est plutôt Idriss Boukari et Henri Gantier du côté du CEG Weiha. Direction Collège d'enseignement général Albarika de Parakou. C'est dans le département du Borgo où le top a aussi été donné pour les épreuves écrites du baccalauréat 2022. De l'autre côté, c'est le préfet du Borgo et le maire de la commune de Parakou qui ont lancé l'épreuve de français dans ce centre qui abrite 793 candidats des séries A1 et A2. Kamirou Nanda Ousmane et Socrate Adantolé. 8h00 ce lundi 20 juin 2022 au Collège d'enseignement général Albarika de Parakou. Le préfet du département du Borgo et le maire de la commune de Parakou lancent officiellement le baccalauréat 2022. C'est l'épreuve de français qui ouvre le bal de cette composition qui s'étend sur 3 jours. Dans ce centre, 793 candidats des deux sexes des séries A1 et A2, répartis dans 27 salles de composition, vont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire. Le souhait du maire de la commune de Parakou, Inoussa Zimechabi, est de voir sa commune occuper la première place au bac au plan national. On sait qu'ils vont réussir, ils peuvent réussir, mais nous avons envie qu'ils réussissent en masse. En masse, pour que notre commune puisse être la commune leader au bac, au BPC, pourquoi pas au CEP. C'est notre souhait le plus ardent. Le préfet du Borgo, Djibril Mama Sissé, a félicité le gouvernement pour toutes les dispositions prises pour le bon déroulement de cet examen, avant de prodiguer ses conseils aux candidats. Rien de sorcier. Tout ce qui vous sera demandé, c'est ce qui vous a été déjà appris en classe, d'accord? Donc restez concentrés ce matin. On va vous distribuer les épreuves, c'est de les lire, la tête reposée, d'accord? Donc vous lisez, vous vous assurez d'avoir vraiment compris avant de commencer par traiter. Et quand vous avez fini, c'est de relire la copie pour vous assurer de n'avoir vraiment pas commis des erreurs. Dans le département du Borgo, ils sont au total 8244 candidats des deux sexes répartis dans 11 centres de composition. Des chiffres en baisse par rapport à ceux de l'année dernière. Ce qui pourrait expliquer cette diminution, c'est il y a plusieurs raisons qu'on pourrait avancer. D'abord, la première raison, c'est la performance inédite que nous avons réalisée l'année dernière à travers le fort taux de réussite. Donc cette année, il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas suffisamment de candidats. Il y a également que depuis quelques années, et avec l'outil de pilotage qu'est EducMaster, nous n'assistons plus, je le dis toujours, nous n'assistons plus à des inscriptions fantaisistes. La première épreuve de français dure 4 heures. Bonne concentration aux candidats.
Les 3321 candidats dans le département du Mono composent eux aussi les épreuves écrites du baccalauréat depuis hier. Lancement officiel de cette première journée au CEG Bokpa. Point avec Geoffroy Vincent et Florent Dehou de notre antenne régionale Mono Koufo. Le baccalauréat session unique de juin 2022, dans sa phase écrite, c'est 3321 candidats qui plongent depuis cette matinée du lundi 20 juin dans 119 salles de composition pour le compte du département du Mono. Ici au Collège d'enseignement général de Bopa, le préfet du département a lancé la première épreuve, non sans avoir au préalable galvanisé les candidats. Et je veux vous dire toute la confiance que nous, en tant qu'autorité, nous avons en vous. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont rentrés dans le cursus avec vous qui se retrouvent sur cette table. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes des méritants. Et vous devez le prouver à travers ce que vous allez restituer tout à l'heure. D'accord ? Nous vous faisons confiance. Nous sommes venus vous rappeler qu'ici, nous sommes dans le Mono, une terre qui est qualifiée de terre d'excellence en matière d'éducation, où nous enregistrons souvent les premiers au bac, où je vais davantage enregistrer d'autres premiers à partir de cette salle. Ça veut dire quoi ? Personne n'a droit ici d'échouer. Vous avez le devoir non seulement d'avoir ce bac, mais de me ramener les meilleurs notes dans le département. Nous sommes là juste pour vous soutenir et vous encourager. Vous démarrez les travaux, les compositions ce matin. Je veux que tout le monde réussisse et que dans le centre de Bokpa, qu'on ait 100%. Ou bien ce n'est pas ça? Alors, bonne chance à vous. La première épreuve sur la table des candidats est celle de la composition française. On note pour le compte du Mono 98,01% de taux de participation. Après le CEG Bopa, le préfet et sa délégation se sont rendus dans d'autres centres de composition du département. C'est une grande satisfaction. Satisfaction d'ailleurs du point de vue des statistiques que nous avons observées. Beaucoup plus de recul en matière d'absence, ce qui augure de ce que les réformes engagées dans ce secteur, notamment la mise en place de la plateforme EducMaster, c'est le lieu pour nous de remercier tous les acteurs de cette chaîne qui ont pu mettre les bouchées doubles pour que dans tous les centres parcourus jusque-là, nous n'avons remarqué aucun incident. Tout ce qui est du point de vue logistique a été mis en place à temps. Le lancement a été unanimement fait à l'heure indiquée dans tous les centres parcourus. Il y a lieu aussi de souhaiter maintenant que tout puisse se dérouler normalement jusqu'à la fin. 1256 filles composent dans les 8 centres de composition du département. Au niveau du département voisin, le Koufo, 2435 candidats sont au rendez-vous dans 86 salles de composition. Il n'y a pas que le baccalauréat dans l'actualité de ce mardi. À la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, la première session ordinaire de cette année 2022 entre dans le passé. Les travaux ont pris fin après des mois de réflexion consacrés à l'examen d'une série de dossiers. La cérémonie de clôture de cette session, qui s'est déroulée ce lundi au siège de l'institution à Cotonou, a été précédée par la signature de convention avec les promoteurs de nouvelles radiodiffusions sonores. On va faire le point avec Narcisse Alosset et Henri Ganti. Après 4 mois de réflexion au service de la régulation de la presse béninoise, les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication arrivent à l'épilogue de la première session ordinaire au titre de cette année 2022. Et à l'heure de l'évaluation du travail abattu, les statistiques affichent une douzaine de rapports examinés pour 6 décisions rendues. 3 dans le cadre du suivi déontologique et qui mettaient en demeure ou rappelaient à l'ordre certains directeurs de publication. Une décision portant création de la commission temporaire chargée de l'organisation de la campagne médiatique des élections législatives de 2023. Une décision portant création de la commission temporaire chargée de poursuivre les activités de la troisième phase de l'attribution des nouvelles fréquences aux promoteurs de radiodiffusion sonore privée. Rémi Prosper Moriti a ensuite salué la qualité des relations de coopération
que son institution entretient avec les professionnels des médias. Un peu avant la cérémonie de clôture de cette session, le président de la HAC a procédé à la signature des conventions avec les promoteurs des nouvelles radiodiffusions sonores. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants d'autant plus que vous avez travaillé d'arrache-pied, de jour comme de nuit, pour que ce travail soit fait. Parce que vous avez fait beaucoup de voyages vers nos radios pour voir les installations. Ça prouve que vous vous souciez de nous, de jour comme de nuit. Sur 44 dossiers sélectionnés à l'issue du processus lancé en 2020, seulement une dizaine de promoteurs ont pu remplir les conditions. Aujourd'hui, le reste est invité à se mettre au pas. Sinon, nous serons dans l'obligation de retirer cette denrée rare que le gouvernement a bien voulu mettre à notre disposition. Cette denrée rare qu'est la fréquence. Nous serons obligés de retirer cette denrée rare et de la mettre à la disposition de ceux qui en ont vraiment besoin. À ceux qui ont signé la présente convention, Rémi Prosper Moretti leur a rappelé que cette autorisation reste provisoire. Par conséquent, un effort supplémentaire leur est demandé pour pouvoir finir les formalités afin d'avoir définitivement les fréquences demandées. Et ce sera tout pour le bulletin. Merci beaucoup. Très bonne journée, William. Cliquant à prendre deux grands rendez-vous, le Forum Santé avec le plateau de la discussion. Ignace Mvekounou, qui est massothérapeute, nous entretiendra sur les maladies du côlon, l'importance donc du nettoyage de cette partie du gros intestin. Et puis, on parlera du Conseil national du patronat, un nouveau bureau sous le sceau de la Renaissance. Le bureau a été reçu hier par le président de la République, Patrice Talon, avec donc à sa tête, à la tête du bureau, Eustache Gustave Cottingan, on va dire un mot, sur la vision à venir. Et il faut rappeler que ce bureau sera installé aujourd'hui avec une cérémonie de prestation de serment des membres. Et puis les législatives en France, Emmanuel Macron va gouverner sans majorité. Quelles sont les leçons à tirer de cette élection? Et puis dans la suite, est-ce que ces résultats annoncent les couleurs sur le Bénin? C'est la question que j'aurai à poser aux débatteurs ce matin. Restez avec nous. Actu Matin se poursuit avec les sports. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23 95 74 29 25 97 77 33 02 96 61 13 30 69 17 99 99 69 23 55 55 61 62 12 02 WhatsApp email canal3benin@yahoo.com info@canal3television.com fraternitefm@yahoo.com fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Les sports ce matin, on va parler de pétanque et c'est avec vous Hakimi Ousseli, bonjour. Christian Dandéjan, bonjour, mesdames, messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Nous sommes mardi et c'est un mardi visiblement décisif hein, et déterminant pour la tenue des mondiaux de pétanque au Bénin. Tout à fait, Christian, les 50e mondiaux de pétanque sont prévus pour se tenir à Cotonou, au Bénin, courant donc le mois de décembre 2022. Le choix des mots et l'actualité autour de ce rendez-vous interplanétaire laissent à constater qu'il subsiste de gros nuages dans le ciel. Le président Idrissou Ibrahima de la Confédération africaine des sports Boula a donné suffisamment de la voir à travers ses nombreuses sorties médiatiques pour faire bouger les lignes. En atteste, les nombreuses sorties médiatiques d'informations de points d'étape qui visent à attirer l'attention des divers acteurs sur l'envergure, l'implication et puis la part à prendre par chaque acteur pour l'organisation à bonne date de cette compétition. Et malgré cette posture du président, il faut rappeler hein, que décembre 2022 a du plomb dans l'aile Hakimi. Cet effectif hein, pour cause le non-démarrage des travaux de construction du boulodrome voulu par le gouvernement du président Patrice Talon. Pourtant, c'est le chef de l'État en personne, Patrice Talon, qui a indiqué le site devant abriter et devant accueillir hein, cette infrastructure, une première en Afrique. Plus encore, le ministre des Sports, Osvaldo Mekhi, l'a martelé et avec son homologue du cadre de ville, ils ont eu des séances de travail avec les architectes à identifier à propos. La volonté politique, la matière a d'ailleurs été constatée dans la loi des finances exercice 2022. Et il est bien inscrit la ligne de dépenses hein, en lien avec la construction de cette infrastructure. Mais malgré toute cette volonté, on a l'impression que ça ne bouge toujours pas. Et curieusement, vous l'avez dit tantôt, hein, rien n'a bougé. En dépit de cette volonté du gouvernement, on a le droit de se poser la question, de savoir ben, qu'est-ce qui se passe. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui étonne Christian Dandéjan et ça mérite bien évidemment interrogation et puis réflexion. Le président Idrissou Ibrahima, son corps défendant, est allé jusqu'à proposer un glissement de date, une proposition qui d'ailleurs a fait réagir l'exécutif mondial de la discipline à l'occasion des 4e championnats du monde de pétanque simple messieurs et dames, mixte et double messieurs et dames, tenu à Karlslunde, c'était au Danemark dans le mois de mai 2022. La proposition n'a pas reçu l'approbation de Claude Azéma. C'est bien lui le président de la Fédération internationale de pétanque et géoprovençale qui a donné jusqu'à fin du mois de mai dernier la possibilité au Bénin de réajuster. C'est dans la foulée de cette position affichée par Claude Azéma que le président Idrissou Ibrahima a travaillé à la venue à Cotonou de Claude Azéma pour une ultime séance de travail, bien évidemment en rapport avec cette actualité. Et puis ce mardi, Christian, la bonne nouvelle, bien évidemment, c'est que eh bien, ce matin au ministère des Sports, nos regards vont y être beaucoup plus tournés. Se tiendra une séance de travail. Autour de la table, on va retrouver les ministres béninois des Sports, Osvaldo Mekhi, et celui du cadre de vie et du développement. Et à côté de ces deux, eh bien, Christian, nous aurons les membres de l'exécutif de la Fédération béninoise de pétanque, et en dehors d'eux, il y a l'architecte Chamac qui est à Cotonou. Le président Claude Azéma aussi est à Cotonou depuis le dimanche dernier. Et bien évidemment, à côté de tous ces messieurs et dames, eh bien, nous aurons le président Idrissou Ibrahima de la Confédération africaine des Sports Boules. Au menu, bien évidemment, vous en doutez, Christian, glissement de date et construction du boulodrome. Les deux sujets seront donc évoqués. Et si tout va bien, bien, Christian, nous aurons à informer davantage les téléspectateurs sur ce qu'adviendra de cette rencontre en rapport, bien évidemment, à la tenue à Cotonou des mondiaux de pétanque 2022. Et voilà, un mardi très décisif hein, pour cette discipline sportive. On parlait justement de la pétanque. Alors, regard tourné sur tout ce qui se fera aujourd'hui, tout ce qui se
dire à Akibé Ousseni. Et c'est exact. On a donc le regard tourné sur cette ultime séance de travail qui aura lieu donc du côté du ministère des Sports. On verra si oui ou non, eh bien, ça permettra de faire bouger les lignes. Est-ce que les travaux du Blodrome vont démarrer? Est-ce que dans la foule du démarrage des travaux du Blodrome, est-ce que le glissement des dates sera accepté? Eh bien, tous les acteurs seront réunis autour de la table et vont donc décortiquer, analyser de fond en comble cette actualité. Je rappelle que la grosse, c'est bien évidemment la tenue à Cotonou des mondiaux de pétanque, et comme vous le constatez bien, rien n'a véritablement bougé. Le président Idrissou Ibrahima a donc réussi à faire déplacer Claude Azéma à Cotonou en compagnie de l'architecte Jean-Marc, et donc la présence de ces différents acteurs permettra véritablement de bouger quant à l'organisation de cette compétition. Voilà, la suite. Les sports ce matin toujours. On va parler cette fois-ci Mercato Christian. Hier, on a annoncé Sadio et Mané, le Sénégalais, du côté du Bayern de Munich. Visite médicale prévue pour ce mardi 21 juin 2022. Présentation publique munichoise, ce sera demain mercredi 22 juin 2022. Bien évidemment, on rappelle, c'est 32 millions d'euros environ, avec un bonus qui tourne autour de 6 millions. Environ 40 millions à débourser donc pour l'arrivée de Sadio Mané. C'est de toute évidence, il a fait tant avec Liverpool, il est désormais attendu du côté donc du Bayern de Munich. Autre information relative au mercato en rapport avec les stars africaines, Naïef Fagued, c'est un Marocain de 26 ans, c'est un défenseur central chrétien qui était donc du côté de Rennes, c'est dans le championnat français Ligue 1, et il a fait deux belles saisons avec le stade Rennes. Eh bien, il est annoncé pour être donc du côté de West Ham, montant du transfert 35 millions. Il devient ainsi le troisième Marocain le plus cher de l'histoire après Achraf Hakimi et puis Hakim Ziyech. Et puis nous allons rapidement dire un mot sur un autre. C'est Djamel, défenseur central algérien de 32 ans. Lui, il a signé avec Al Khalid, sans club depuis avril, après la résiliation de son contrat au Qatar. Il rebondit en Arabie Saoudite. Les détails de son contrat restent encore à déterminer. Nous allons finir avec un autre Africain. C'est bien l'Ivoirien Haller à Dortmund. Les pourparlers sont presque concluants. Le club allemand l'a déjà annoncé. Et très bientôt, Sébastien Haller sera un joueur de Borussia Dortmund. Bundesliga, certainement pour apporter plus d'influence au niveau de l'animation offensive de cette formation allemande. Le club cherche à remplacer son phénoménal norvégien Erling Haaland, qui est allé à Man City du côté donc de l'Angleterre. Et donc l'attaquant ivoirien sera probablement le deuxième renfort après la signature de Karim Adeyemi. Dortmund est prêt à débourser 33 millions pour à l'heure. Retour en Afrique avec le tournoi UFOA U17 de la zone B qui se dispute du côté de Cape Coast. C'est au Ghana. Rencontre annoncée pour aujourd'hui. Ce sont les demi-finales Christian. Le Nigeria joue la Côte d'Ivoire à partir de 16h heure de Cotonou et puis à 19h30 heure de Cotonou. Vous suivrez donc l'autre confrontation. Ce sera bien évidemment entre le Ghana et le Burkina Faso. Les deux vainqueurs représenteront la zone B pour le compte de la phase finale de cette compétition catégorie U17 Christian. 48 minutes après 7h, c'était les sports. C'était les sports avec Hakimé. L'autre rendez-vous à prendre, c'est demain sur Actu Matin. Et c'est après le bulletin matinal de William Cliquant. Et je passe à l'autre rubrique. C'est bien sûr le forum santé du mardi. On parlera des maladies du côlon. C'est une partie du gros intestin. Et nous aurons les précisions avec Ignace Mvekoulou. Il est massothérapeute. Le plateau de la discussion s'installe après ceci. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif pour contre-attaquer le bon... Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal Plus a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal Plus vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Chut.
chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité. Pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il faut attaquer le bon... Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal Plus a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal Plus vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. minutes, la page Santé sur Actu Matin. Bonjour Zakiat Latouji. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Oui, nous avons en plateau Ignace Mbekoulou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes massothérapeute. Est-ce qu'on peut comprendre très rapidement ce que c'est? C'est thérapie, donc oui. C'est le traitement. Donc, traitement des maladies par le massage. Et par n'importe quel. Alors, moi, je suis précisément spécialisé
en rééquilibration énergétique et posturale. Oui, expliquez. Ah. Alors, quand nous disons massothérapie, il y a différentes masses entre masseur et massothérapeute. N'importe qui peut être masseur. Mmh. Alors que massothérapeute, c'est un spécialiste, il sait où il met la main et pourquoi. Donc, c'est, chez moi, par exemple, c'est carrément un système asiatique, ça s'appelle thérapie Zen Tiasu. Ça rétablit l'équilibre de l'énergie dans le corps. Parce que quand il y a manque d'énergie au niveau d'un organe, il y a dysfonctionnement, obligatoirement. C'est ça. Donc, pour assurer un bon fonctionnement de l'organisme, il faut une bonne répartition de l'énergie. Mmh. Et c'est ce que nous faisons par la thérapie Zen Tiasu. C'est ça, la thérapie Zen Tiasu. Oui, Zen Tiasu. Ah, d'accord. Et ce matin, on veut parler du côlon. Oui. Voilà, le côlon. Ça a quel rapport avec la massothérapie? Ah, tout à fait. Alors, venir au massage, c'est comme si on prenait des médicaments. C'est comme si on allait au champ et sans débroussailler, on sème. Alors, le côlon, ça garde beaucoup de déchets qui empêchent les résultats donc, du massage. Justement, on va expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que le côlon d'abord. Voilà. Voilà, différent du côlon, hein, l'autre côlon. Voilà, le colon ici, maintenant, c'est avec accent circonflexe. Avec ça, il y a accent sur le haut. Sur le haut, oui. Alors, c'est la dernière partie, c'est la dernière partie donc, de l'appareil digestif, je veux dire. Et ça comporte trois compartiments. Le colon ascendant, c'est-à-dire juste après l'intestin grêle, oui. Les produits, donc les déchets issus de la dernière transformation passent au niveau du cricum pour aller dans le côlon, dans la partie ascendante. Mmh. Après, il y a la partie transverse. Oui. Et la dernière partie, c'est le côlon descendant, avant d'aller vers le rectum, et en passant par le côlon sinoïde. Alors, en général, on considère trois compartiments, trois parties. Alors, apparemment, les gens pensent que c'est inutile. Alors que c'est... En tout cas, chacun soutient sa thèse, bien sûr. Le côlon est très important pour la vie. Certains penseurs, certains scientifiques ont pensé en tant que, bon, c'est une somme, c'est de pour le déchet, pour sortir, on peut couper. Mais lorsque l'expérience a été faite, je vous assure, ça a été la catastrophe. On ne coupe pas. Oui, sinon, en temps, les gens ont pensé à cela, en tout cas, à l'élimination du côlon, parce que, bon, on a envie de manger. Et là, non, il y a beaucoup de choses qui se passent encore dans le côlon. C'est pourquoi, justement, quand il y a encombrement, et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, quand il y a encombrement, obstruction, ah là, mais il y a tant de choses. Et je suis prêt à, c'est pas un défi, mais je suis prêt à démontrer à ceux-là qui... dénigrent plutôt l'hydrothérapie du côlon, qui est la solution d'ailleurs, pour dire que mais, ces cas-là, qui n'arrivent pas à réussir avec les médicaments et toute la thérapie, et juste après le nettoyage du côlon, mais... Le bien-être revient. C'est pour dire que lorsque le côlon est encombré, vous êtes souvent fatigué. Vous avez des éruptions cutanées que vous ne comprenez pas. Vous avez des problèmes cardiaques. Et pour les hommes et les femmes, il y a la frigidité. À un moment donné, vous n'avez plus envie de la femme. Et pire encore, le cancer que nous créons tous. Il est dit que lorsque le côlon est encombré, les cellules étouffent et le noyau commence par émettre des ondes anarchiques. Donc, il y a multiplication rapide. Donc, moi, je dis que c'est des noms qu'on a donnés aux maladies. Sinon, la vraie maladie, c'est la constipation, si vous voulez. Parce que la constipation, c'est donc les selles rares, les selles dures. Et quelque part, il faut dire que ça sont dures. Au passage, elle vous blesse au niveau de l'anus. Et à ce niveau-là, les microbes intègrent le système sanguin. Et puis, dans la circulation, arrivé à un niveau, au niveau d'une articulation, ça dépose comme un fleuve, un courant d'eau. Un courant d'eau qui ramasse les feuilles, à un moment donné, laisse les feuilles et continue son chemin. Mais c'est terrible. C'est lié. Donc, moi, j'ai dit...
avec les expériences et les cas qui sont là, quand vous nettoyez le côlon, vous êtes bien. Justement, on va parler du nettoyage du côlon, mais de ce côté, on va prendre les avis des acteurs en plateau. Pourrait-on savoir à qui est qu'au niveau de l'appareil digestif, au niveau du gros intestin, qu'il y avait donc ce passage-là qu'on appelle le côlon, qui, si vous ne savez pas l'entretenir, peut vous créer des dommages à l'arrivée. Quand on n'est pas informé, on n'a peut-être pas idée de ce que ça peut être. Ce que nous savons, je dirais, en forme embryonnaire, c'est qu'au primaire, on nous a pas de gros intestins. Oui. Ça nous dit que eh bien, le côlon, ça nous donne des précisions quant à ce que c'est que le côlon. Oui. Et donc, dans la tête, on est toujours resté au petit intestin, au gros intestin, point bas. Et quand on a la chance de dépister un animal, on essaie de voir un peu comment c'est le gros intestin. Et puis on sait que c'est par devers, je dirais, ce trajet-là que bien les matières fécales y passent. Donc du coup, quand on fait la représentation au niveau de l'humain, c'est qu'on constate que ça semble être le même trajet. Et donc du coup, si y a un dysfonctionnement au niveau donc, de ce côlon, c'est évident et a priori, première conclusion à tirer, c'est que ça va avoir d'impact sur la santé humaine. Et donc, comment ça se fait? C'est peut-être pas sûr de nous qu'il faut y aller jusqu'au nettoyage du côlon. Quelles sont les dispositions, quelles sont les alertes en rapport avec le dysfonctionnement du côlon? Je crois que le spécialiste, il est bien placé pour davantage nous informer parce que la première maladie dont nous souffrons, c'est le manque d'information. Mmh. Quand on est informé, on prend les dispositions à propos maintenant les thèses de ce qu'il faut sectionner ou pas. C'est quand on a l'information et qu'on veut aller au-delà, qu'on semble proposer, d'autres alternatives. Sinon, à bout du point tel que c'est présenté par le spécialiste ce matin, il faut forcément s'interroger. Et lorsqu'on a de ces petits retours, de trop de fatigue, de comportement pas habituel au niveau de l'organisme humain, il faut véritablement penser, à la forme et à la santé du côlon. Moi, j'ai échangé avec un ami qui m'a dit qu'il lui est arrivé de faire un nettoyage du côlon et que la différence a été nette, remarquée, sur son comportement. Et il m'invitait à faire la même chose. Mais bon, l'invite reste une chose, la disponibilité pour y être reste une chose, mais quand on est malade, c'est qu'on doit pouvoir prendre une disposition à propos. Non, je crois que la présence ce matin du professeur sur le plateau va davantage nous informer, nous sur le plateau, davantage informer les téléspectateurs, nous amener maintenant à avoir des comportements qui valent parce que, qu'on le veuille ou pas, quand on est peut-être dans la fleur de l'âge, la santé, hier, on ne se rend pas compte. Mais quand on ne peut pas monter plus de la quarantaine et on descend la cinquantaine, il faut forcément s'assurer que, il y a certains organes qui méritent, vidange, tel qu'on fait la vidange de nos motos, tel qu'on fait la vidange de nos véhicules, tel qu'on fait le nettoyage autour de nos maisons respectives. Et donc, du coup, je crois que c'est un bon poisson qui est avec nous ce matin. On va demander à bien longtemps. Quoi. Et, déjà, des réactions de téléspectateurs qui veulent avoir beaucoup plus de précision sur le côlon. Il y aura des images que nous allons présenter tout à l'heure. Et au passage, on va dire un grand bonjour au docteur Gilles Goyi qui nous suit de très près. Oui, Zakiat Latunji. Alors, ce matin, il s'agit de parler de massothérapie. Oui. Et Akimé a fait bien de parler de vidange parce que massothérapie, hydrothérapie du côlon. Voilà, hydrothérapie du côlon. Puisqu'on a un massothérapeute avec nous, on peut rapidement faire le rapprochement. L'hydrothérapie du côlon. Et Akimé a bien fait de parler de vidange parce qu'on assimile l'hydrothérapie du côlon justement à cette vidange-là. Je pense que c'est bien ça. Je ne vous coupe pas, Zakiat. Oui, le bien côlon, sûr. L'anatomie. Oui. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça, le côlon. Et ça permet de comprendre en fait que notre organisme, c'est tout un système, c'est un ensemble qui est quand même bien organisé et c'est important que chaque partie fonctionne comme cela se doit. Vous avez chez certaines personnes pas mal de problèmes en partant du fonctionnement même de ce côlon-là parce que tous les jours, nous mangeons et après, est-ce que nous arrivons à éliminer
comme cela se doit, tout ce que nous faisons rentrer dans notre organisme. Quand l'organisme a fini de prendre des parties qui lui sont importantes, les nutriments et tout ça pour faciliter le bon fonctionnement de l'organisme. Pour ce qui est du rôle du côlon, est-ce que le côlon au niveau de chaque personne fonctionne comme cela se doit? Est-ce qu'il faut d'abord se retrouver dans une situation de maladie avant d'aller vers l'hydrothérapie du côlon? Quels sont ces signes-là qui amènent une personne à savoir que, par exemple, son côlon ne fonctionne pas comme cela se doit? Je crois que ça fait partie de ces quelques éléments. Et quelles sont les maladies qui peuvent être liées également à un mauvais fonctionnement du côlon? Voilà, en quelque sorte, hein, les grandes lignes du sujet que nous allons aborder ce matin. Allez-y. Alors, quand on parle de l'hydrothérapie du côlon, comment est-ce que ça marche? Oui, dans le mot hydrothérapie du côlon, il y a hydro qui veut dire l'eau. Et thérapie, donc soigner le côlon par l'eau. En fait. Donc, il s'agit d'un appareil qui est monté sur un système d'eau et avec un dispositif portant à un bout deux tuyaux. Un tuyau par lequel arrive l'eau, et là, c'est sans médicament en fait, c'est l'eau, hein, l'eau simple. Et notre gros tuyau par lequel passent les matières fécales, et vous les voyez sur l'écran. Alors, avant d'aller un peu plus loin, imaginons notre poubelle, dans laquelle nous mettons les restes de nourriture pendant un, deux jours, une semaine, sans la vider. Qu'est-ce qui va se passer dans la maison? Les odeurs. Des odeurs, la putréfaction. Non, c'est la même chose. En fait, au niveau de l'intestin grêle, c'est l'usine. C'est là où se passe le dispatching des nutriments qui vont vers les organes via le foie. Mais après, les conneries, les déchets de cette transformation-là vont dans le côlon. Mais dans le côlon, il y a les terminaisons nerveuses. Et c'est là où se dit le danger de l'encombrement de côlon. Lorsque les matières ne sortent pas, eh bien, vous avez des malaises que vous ne comprenez pas. En effet, c'est à cause des nerfs qui sont à la fin. Les terminaisons des nerfs qui sont donc au niveau du côlon. C'est pourquoi on dit souvent que dans le côlon, il y a le système immunitaire. Il y a le système immunitaire. Vous vous rendez compte? Là, c'est encombré. Mais on assiste, je l'ai dit, à des troubles urinaires. Vous urinez, ça passe par deux trous, ou bien ça vient à compte-gouttes, ou bien c'est douloureux au passage. Vous êtes aïeux. Vous êtes aïeux, coléreux. Donc, ça peut agir sur même le comportement de la personne. Tout à fait. Mais vous rendez compte, nous avons reçu quelqu'un qui ne pouvait plus avaler sa propre salive. En voulant l'avaler, et la personne pique crise. Ne parlons pas de l'eau. On a tout fait. En tout cas, la personne ne peut pas avaler sa salive, elle ne peut pas boire de l'eau. C'est ça, hein? Oui. Ça fait partie des signes que vous avez remarqué. Oui, non, mais c'est pour dire, c'est pour parler d'un cas extrême. Extrême, oui. Mais ils ont tout fait, tout. Mais heureusement que le TSC a dit, on voulait même l'opérer. En plus, nous avons dit, je ne veux pas bien, c'est dit, c'est ça, on connaît quelqu'un qui s'en occupe. À ce moment-là, il y avait du monde, hein, des gens qui priaient, des gens qui pleuraient, parce que c'était déjà un cas bizarre. Je vous assure, juste le nettoyage du colon. Où les gens voyaient les matières passer sur l'écran. Et l'intéressé qui revenait en lui, pas à pas. Non, c'est extraordinaire. Alors, quand vous parlez, Christian, vous permettez, ça dure combien de temps à peu près? 45 minutes, l'opération dure 45 minutes. Et c'est pas douloureux, hein? Mais comment ça se fait? Oui, comme je l'ai dit, après avoir introduit le kit. Par où? Par le rectum, justement. Pas le rectum. Ce n'est pas. Je dis, chez nous, aucun traitement ne se fait avec des médicaments ou bien avec des piqûres. Donc, au niveau de l'hydrothérapie colon, c'est au niveau du rectum. C'est peut-être si vous avez des hémorroïdes, et là encore! Ces hémorroïdes-là sont dues à quoi? C'est à force de pousser, lorsque les matières sont là, bouchées, collées. Et qui n'arrivent pas à sortir. Et vous donnent des poussées. C'est à force de pousser que les veines hémorroïdes cèdent. Ouais. Donc c'est quand vous avez des hémorroïdes que
la pénétration du kit au niveau du rectum peut vous faire un tout petit moment. Mais dès que c'est rentré, tout le reste, là, les autres... Donc, il faut garder la personne quand même immobilisée pendant... Mais bien sûr, il y a une position à prendre sur la table. Okay. Hein, et puis, dès que c'est rentré, puis les choses sortent. Donc, la machine s'occupe de la variation de la température, hein, et le débit et tout ça. Et puis, oui. Non, c'est vrai que là, vous avez évoqué le cas d'une personne qui avait du mal, par exemple, à avaler sa salive, qui avait des difficultés à prendre de l'eau. Mais est-ce qu'il y a des signes spécifiques qui permettent de savoir que nous sommes dans une situation d'un mauvais fonctionnement? Oui, vous avez des bruits gênants au niveau du ventre. Vous avez des gaz, ça gazouille, ça gazouille souvent. Est-ce que ça, ce n'est pas des problèmes d'indigestion aussi, parfois? Ah non, justement, et si le temps nous permet, il y a une différence entre digestion et élimination. D'accord. Ah oui, quand nous mangeons, au niveau de la bouche, il y a d'abord une transformation là. Alors, qu'il faut respecter, parce que l'estomac n'a pas de dents. Mais habituellement, qu'est-ce que nous avalons? Donc, il faut prendre le temps de bien mâcher l'aliment d'abord ensuite, dans la bouche. Ça arrive dans l'estomac, qui est un milieu acide pour cataboliser tout ce que nous lui envoyons. Mais c'est après ça, que 40 minutes après, le pylore s'ouvre pour vous faire passer dans le intestin crêle, pour les assimilations dont j'ai parlé. Alors, après, il faut que ça monte. Manque d'énergie, justement. Lorsque vous manquez d'énergie, les matières pour passer dans le côlon ascendant, il faut bien de l'énergie. Alors que dans le côlon descendant, c'est la pesanteur qui agit. C'est déjà arrivé au niveau de... Donc, avec la pesanteur, ça tombe. Mais pour monter jusqu'à la sortie, il faut de l'énergie. Donc, le manque d'énergie chez l'intéressé peut l'empêcher de faire monter les matières fécales normalement jusqu'à la sortie. Mais tout ce que vous décrivez là, ça se passe à l'intérieur de l'organisme. Comment la personne même sait, par exemple, qu'il y a ce souci de fonctionnement à l'interne? Parce que s'il y a manque d'énergie à l'interne, est-ce que la personne sait? Est-ce qu'elle elle arrive à savoir qu'il y a un problème? Justement, tout à l'heure, je parlais de la massothérapie. Oui. Hein? Ce massage rééquilibrant et énergisant. Ça s'appelle massage rééquilibrant et énergisant. Donc, ça donne d'énergie. Ce n'est pas que nous manquons d'énergie, hein. C'est que c'est mal réparti. Il y en a plus ailleurs et moins ailleurs. Donc, il faut équilibrer. Donc, si au niveau de la consultation, lorsque nous faisons le réflexe rotulien et que le jeûne ne bouge pas, là déjà, on sait qu'une intestin là manque d'énergie. Et donc, vous passez par une étape de consultation. Tout à fait, c'est une étape de la consultation. Et à cette étape-là, déjà, vous arrivez à détecter à savoir les différents dysfonctionnements pour que les choses se passent normalement dans le corps, quoi, en fait. Et précisément au niveau du côlon. Alors, quand on parle d'hydrothérapie du côlon, est-ce qu'on peut se lever simplement comme ça et dire qu'on va faire l'hydrothérapie? Comme l'a dit mon frère tout à l'heure, si on est informé, il ne faut même pas attendre. Moi, par exemple, parce que une erreur que nous faisons, c'est que nous retenons les selles quand ça vient. Nous ne devons pas garder, quel que soit le lieu. Et j'ai dit que quelle que soit l'alimentation, nous éliminons insuffisamment. Et puis encore, lorsque ça vient, parce qu'il y a la fermentation qui se produit au niveau du côlon ascendant, lorsque ça n'est pas monté, et la putréfaction au niveau du côlon descendant, lorsque vous gardez. Alors lorsque vous gardez, parce qu'il n'est pas l'heure, ou bien il n'y a pas, la place. Mais après, vous n'avez plus envie. C'est passé où? Les gens qui font 2-3 jours sans aller à zèle, et ils mangent matin, midi, soir. Mais il faut se demander, mais ça va où? Ça va où? C'est utopique? Non, ils ont digéré, ils ont tout digéré. Ah bon? Et puis c'est solide là, dans le sang? Non, le sang. La finalité, c'est le sang. La finalité, c'est le sang. Donc, tout ce qu'on mange, en réalité, n'est pas utile à l'organisme. L'organisme tire ce dont il a besoin. Et le reste se transforme maintenant en sel, en matière fécale que nous évacuons par la suite. Mais il arrive justement que certaines personnes ont des problèmes, des dysfonctionnements. Et ça reste là-bas. Et ça reste à l'intérieur sur plusieurs jours. C'est et bien chacun ça. Doit se connaître. Moi, par exemple, lorsque le boulot m'absorbe, que je n'ai pas le temps de ça, dès que ça vient, parfois, je sens une brûlure au niveau de mon tibia. De mon pied, quoi.
côté externe. Et là, je comprends. Et puis, c'est pourquoi, quand les gens me demandent la fréquence, je dis non, il faut écouter son corps. Je n'ai pas dit à Pierre, bon, il faut faire ça deux fois. Faut faire alors ça. Il n'y a pas une fréquence qui est conseillée. Il y a une ah non, ça dépend de quoi vous éliminez et comment vous mangez. Et je dis, même si vous éliminez les gens qui font diarrhée et qui ont ce problème-là, là, la diarrhée, c'est quoi? C'est en fait, ça, fausse diarrhée. C'est le trop-plein qui sort. Parce qu'à un moment donné, l'organisme sécrète un liquide là qui ramollit la matière afin de permettre la sortie. Sinon, j'ai reçu un monsieur qui est un végétarien qui, après avoir suivi mes émissions, s'est demandé, bon, il s'est dit, mais je vais lui faire une... Et après la séance, je lui ai dit, bon, quelles sont vos impressions? Il baisse la tête. Et après, il se relève avec les mains. Il dit, mais ça veut dire quoi? Il dit qu'il a honte. Il dit, honte de quoi? Il dit, oui, honte parce qu'il n'a jamais pensé qu'avec son régime végétarien et toutes les précautions qu'il prend dans son alimentation, qu'il aurait 26 salles. Parce qu'il m'a vu sur l'écran, les choses qui sortaient. Il dit, mais mon Dieu, mais les herbes pourrissent, non? Mais tout ce que nous mangeons, oui, mais les herbes pourrissent. Donc, il faut avoir idée de la chose pour ne pas... Parce qu'il y en a qui disent, ah non, il ne faut pas faire ça, parce que ça va habituer. Non, au contraire, ça améliore le péristaltisme intestinal. C'est-à-dire, le système qui est paresseux là, ça redynamise. Alors, c'est mieux. Je propose qu'on évite de prendre quelque chose qui irrite les parois. Il est vrai, quand vous, il y a des choses que vous pouvez prendre pour dégager, mais je vous assure, ce qui est collé vraiment là n'est pas décapé. Alors, avec l'hydrothérapie colon, ça ramollit et fait décaper. C'est pourquoi une bonne séance de quelqu'un qui est vraiment atteint, c'est 3 séances. C'est-à-dire, quand on fait un lundi, vous faites mercredi et vendredi. Et c'est justement à la dernière séance là qu'on est arrivé. Parce que des choses, moi, ça veut dire qu'on est allé en profondeur. Si le schéma, le schéma là pour être là, vous allez voir tout ce qui est noir là, c'est la matière fécale. Oui, c'est ça. Voilà. C'est tout ce qui est noir là, c'est la matière fécale. Et ça a détérioré les parois. Vous avez vu que la dimension, le diamètre du colon a changé par endroit. Et surtout au niveau du colon transverse, vous voyez, là, il n'y a pas montée ni descente. Oui, et ça reste là. Mm. Vous avez vu comment c'est détruit là. Mais je vous dis, c'est horrible. C'est horrible. Et ça a mis au milieu là, on a dit, la vieillesse commence dans le colon. Je dis même la mort commence dans le colon, en réalité. Donc, l'hydrothérapie du côlon reste une solution même pour lutter contre le vieillissement précoce parce que... Tout à fait, puisque c'est ça, médicament d'ailleurs. Et ça vous libère des déchets qui vous empêchent donc de bénéficier de tout ce que vous avez là-bas. Donc, alors, vous êtes... vous conseillez beaucoup une bonne hygiène de vie, hein, tout en à dehors fait. De tout, tout à fait. Ce que nous sommes en train de dire, puisque vous ne prescrivez pas de médicaments. Pas de déparasitants. Tout se fait de façon naturelle. Chez certains, c'est congénital. C'est-à-dire, c'est congénital. Bon, les parents avaient des difficultés pour éliminer. Bon. Mais chez d'autres, il y a la carence de fibres dans le foie. Il y a les troubles nerveux. Quand vous êtes nerveux, ah, mes frères, quand vous êtes nerveux, vous bloquez tout là-bas. Parce que il y a deux systèmes. Il y a le système sympathique et le système parasympathique. Pour le système sympathique, vous êtes en activité, l'adrénaline, ça bouge, tout ça là. Hein. Mais il faut le système parasympathique pour tout calmer et relâcher et faire sortir les choses. Mais quand vous êtes nerveux, stressé, souvent là, tout est bloqué là-bas. Alors, on va finir avec quelques conseils maintenant pour nos téléspectateurs. Oui. C'est justement pour ça que je parlais d'hygiène de vie. Par exemple, quand on est nerveux, ça crée un dysfonctionnement à l'intérieur de l'organisme. Donc, il faut éviter d'être nerveux. Tout à fait. C'est bien d'être nerveux. Il faut essayer de prendre une bonne position. Parce que lorsque nous utilisons la cuvette moderne, vous voyez, quand on est assis, l'angle anorectal est fermé. Alors, soit vous usez la cuvette, mais vous mettez un tabouret en bas pour soulever les pieds afin que les jambes puissent appuyer sur l'abdomen et ouvrir un peu l'angle anorectal afin de sortir. À vous de dire que, alors, de façon très sévère, la façon dont nous nous asseyons. La même façon, c'est l'ancienne, c'est-à-dire on s'accroupit. Oui. Oui. On s'accroupit, c'est ça la même façon. Ok, les toilettes ordinaires. Ordinaires.
Dans les toilettes, des fois, avec les toilettes modernes. Il faut mettre quelque chose de devant pour soulever les jambes afin que l'angle anorectal s'ouvre un peu plus, afin de laisser passer les déchets. C'est très important, celle-là. Et il faut boire de l'eau. Lorsque vous envoyez du maïs ou bien un truc dans le moulin, mais il faut mettre pour remis, sinon ça ne glisse pas. Ça ne glisse pas. Vous voyez un peu l'effet de l'argile dans un sol. Vous voyez comment ça colle et puis même si vous mettez de l'eau là, c'est pas gain. C'est pas gain. Donc il faut boire suffisamment d'eau. Il faut boire de l'eau. Et quand on dit de boire de l'eau, moi je dis souvent aux gens, il faut que l'eau soit votre compagne. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas en buvant, en vidant un litre sur place. Non. Il faut boire l'eau même sans avoir soif. Gorgée par gorgée, c'est là. Vous prenez un peu, puis vous travaillez. Un peu, vous travaillez. Jusqu'à vous vider bon, 2 bidons par jour, par exemple. Je dis bien, votre compagne. Donc, même sans avoir soif. Boire fréquemment et suffisamment de l'eau. Et être relax. Éviter d'être stressé. Mais les gens sont sédentaires aussi. La paresse dont je parle là, c'est en bougeant hein, que le travail va se faire là-bas. Donc bouger, marcher, faire de l'exercice. Bouger. Hein, c'est pourquoi quelqu'un nous disait, pardon, qu'à un moment donné, il faut que les fonctionnaires là, se lèvent de leur bureau, même s'ils n'ont rien à faire. Alors ça va toi, mais hier là, ça s'est passé comment? Et revenir s'asseoir pour continuer le travail. Mais là, ça marche. Mais restez là, parce qu'on a un travail urgent. Et on s'oublie. Non, il est d'ailleurs conseillé de ne pas rester dans la même position plus de 2 heures d'horloge. Voilà, habituellement, c'est très conseillé. Mais il faut savoir que c'est utile pour l'organisme. C'est très important. Très important. En tout cas, il y a des témoignages hein, venant de téléspectateurs que vous avez traités. Mm-hmm. Voilà, de très bons témoignages sur ce que vous faites. Mm-hmm. Merci beaucoup. Et vous avez également formé assez de jeunes hein, qui font ce travail de délivrance, comme vous l'avez dit, du colon. Et vous avez le bonjour du professeur, bienvenue Antonio, qui dit que c'est une vraie délivrance du corps, ce que vous faites. Ah, oui. Merci. Bien. Et je vous ai profité pour insister un peu sur les maladies. Parce que chacun a son colon. Il y a le mégacolon. Et la maladie qui en découle, c'est la colectasie. Hein? Lorsque le colon est long et encore toxique, là vous avez des problèmes. Il y a le dolicocolon. C'est long, ça veut dire que c'est large, le volume. Donc vous mangez, mais les matières ont un long trajet à faire avant de sortir. Hein? Alors là, il y a les polypes. Les polypes, qui sont, c'est pas la même chose que les hémorroïdes. C'est des trucs au niveau du rectum là-bas, là. Les occlusions intestinales. Et quand on dit occlusions intestinales, effectivement, c'est une intestin grêle qui se mélange là. Et dès qu'on fait le lavement et que rien ne sort, il faut courir. Il faut aller se faire opérer. Parce que c'est bouché, le circuit est fermé. Ça veut dire qu'on peut recourir, on peut faire recours à l'hydrothérapie du côlon et on se retrouve avec rien à la fin. Rien à la fin. Rien n'arrive. Ça veut dire qu'il y a occlusion intestinale. Ça veut dire que le côlon s'est mélangé là. Ça veut dire qu'il y a des nœuds. Hein, et les matières n'ont pas le temps de. Sinon, l'eau, quand l'eau vient. Hein, ça déblaye. Ça déblaye. Oui. Mais à un moment donné, d'accord. Quand le diamètre de matière, le diamètre est trop gros là, est important là. Ça n'arrive pas à passer. Donc, nous avons des manières de pomper là pour ramollir, pour diminuer le diamètre afin que ça passe. Et vous voyez ça, vous voyez, c'est horrible. C'est horrible. D'accord. Hein? On viendra sur une séance avec vous pour voir. Ah non, ça m'intéresse. Sinon, je vous l'offre. Hein. Oui. On viendra voir ça. Je vous l'offre. Et puis, vous allez voir. Non, c'est sérieux. Il faut dire que les gens comprennent que ce qui rentre là doit sortir. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Merci bien. Merci d'être passé sur Actu Matin. Ignace Mvekounou, masso-thérapeute. Spécialiste en rééquilibration énergétique. D'accord. Merci beaucoup. Merci c'est bien.
Merci Zakiat. Merci. Allez, merci. Bonne journée. On va poursuivre avec le second plateau de la discussion. On parlera de l'installation ce matin du nouveau bureau du Conseil national du patronat. Et on fera également un petit tour en France pour parler des législatives et analyser, commenter le message du président Patrice Talon à Emmanuel Macron qui a essuyé un revers à l'issue donc de ces législatives et voir si ces résultats annoncent les couleurs pour les législatives à venir au Bénin. Restez avec nous. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Et nous, Steve Coton, bonjour. Bonjour, cher Christian. Bienvenue. Merci d'être avec nous en plateau. Herman Anyamosu, bonjour. Bonjour, Christian. Bonjour. Bienvenue merci. En plateau. Oui, on va commencer d'abord par le Bénin. C'était donc hier, le chef de l'État a reçu les membres du nouveau bureau du Conseil national du patronat. On rappelle que ces membres sont élus conformément aux dispositions des nouveaux tests régissant l'organisation patronale et ces élections sont intervenues. C'était le 25 mai 2022. Aujourd'hui, le bureau sera officiellement installé. Entre hier et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, Herman. Oui, hier et aujourd'hui, c'est passé beaucoup, comme vous l'avez dit. C'est vrai que hier, le chef de l'État a reçu le nouveau bureau, donc le bureau du patronat qui sera installé d'ailleurs aujourd'hui. Et je rappelle que c'est le cinquième président du patronat qui sera installé en la personne de Eustache Kotigan, entouré de sept autres membres, huit au total. Huit, oui. Mais ce qu'il faut constater, c'est la jeunesse de l'équipe. C'est vrai qu'il s'est entouré de jeunes gens, de la trempe de Clovis Agossou, de la trempe de Régis Facia aussi, par exemple, et beaucoup d'autres, la dame Rouhani, je crois, madame Rouhani, oui, qui fait également partie de l'équipe. Je pense Francine que ici, oui. ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que c'est une transition qui a été bien menée et qui a donc consacré la relecture des tests, l'adoption de nouveaux tests, l'Assemblée générale élective et tout. Et il faut aussi constater que l'élection s'est déroulée dans de bonnes conditions, de sorte qu'aujourd'hui nous avons un patronat qui est, un conseil d'assurance du patronat qui est bien installé et qui semble faire l'unanimité autour de l'essentiel, à savoir la renaissance, comment faire en sorte que les investisseurs viennent au Bénin. Et je pense que ce qu'il faut saluer, c'est surtout la jeunesse de l'équipe. Vous parlez de jeunesse de l'équipe, vous parlez également de la vision et des objectifs. C'est vrai qu'hier, en audience avec le chef de l'État, le président du patronat a présenté au président Patrice Talon les ambitions de ce nouveau bureau pour transformer le secteur privé béninois et la rendre beaucoup plus compétitif. On parle de développement durable, on parle de promotion et bien d'autres choses. Devrait-on parler d'un nouveau soleil qui se lève sur le patronat béninois, Akimé? Ça tout l'est. Au regard déjà du décor planté par Herman, l'élection, vous avez rappelé qui remonte à mai dernier. Oui. Vous avez vu que les choses sont allées peut-être, je dirais, au pas de charge. C'est pratiquement fermé, l'élection. Les résultats connus, les élus connus. Le bureau, bien évidemment, reçu hier par le chef de l'État, sera officiellement installé ce mardi. Donc, c'est un calendrier, un agenda qui est en train d'être respecté. Au-delà du calendrier de l'agenda, c'est qu'il était quand même important, Christian, qu'il y ait, je dirais, mettons quoi, une certaine unanimité faite autour des représentants et du patronat réunis au sein donc, de ce bureau. Parce que lorsqu'on se réfère
à la dernière rencontre que le chef de l'État a eue avec les partenaires sociaux et qui, bien évidemment, a débouché sur la revalorisation des conditions de travail aussi bien du secteur public que du secteur privé. Il est quand même important que nous puissions avoir des personnes capables de véritablement défendre le secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, la fonction publique ne recrute plus. On ne recrute pas suffisamment. Et ne peut d'ailleurs même pas absorber le nombre de flux qui sort des universités, des centres de formation professionnelle qu'on sort. Donc, il faut forcément qu'il y ait une bonne organisation aussi au niveau du secteur privé. Et quand on a le bureau qui a été présenté et reçu hier par le chef de l'État et les personnes qui composent ce bureau, il y a quand même des têtes importantes et des têtes fortes. Eustache Gustave Cotigan, on ne le présente plus. Et à ses côtés, bien évidemment, des jeunes quand même qui ont fait leur preuve au niveau du secteur privé. Et on a mis l'accent sur Clovis tout à l'heure, et la dame qui est dans le groupe aussi, quand vous interrogez un peu son parcours, eh bien, elle est méritante, elle fait beaucoup dans le cadre, je dirais, du développement et de la bonne santé du secteur privé. L'un mis dans l'autre, un soleil nouveau qui se lève donc au niveau de ce secteur. Il faut véritablement travailler à ce que les acteurs, les travailleurs du secteur privé aient aussi, je dirais, un regard qui consiste à leur créer des conditions normales de travail, parce que vous avez vu la dernière fois, j'ai mis l'accent sur le fait que eh bien, l'assurance santé doit être généralisée. Qui c'est qui absorbe? C'est le secteur privé. Et donc, il faut s'assurer que le secteur privé se porte bien. Des doléances seront portées quant, je dirais, au soutien à apporter à ce secteur qui a certainement besoin de certaines facilitations et de certaines conditions d'exercice sur le terrain. Et donc, les interlocuteurs doivent être connus, doivent être crédibles. Et en tant que tel, eh bien, on va tout simplement souhaiter bon vent à ce nouveau bureau, que ça impacte véritablement la bonne santé du secteur privé, afin que tous ceux qui s'y trouvent puissent véritablement avoir des raisons de savoir que lorsque eh bien, la fonction publique n'absorbe pas, il y a possibilité de se retrouver dans de très bonnes conditions au niveau du secteur privé. Au regard, bien évidemment, de la précarité de l'emploi dans notre pays, pas seulement de façon particulière, mais en général, eh bien, c'est un fléau. Il faut travailler à ce que eh bien, les acteurs qui absorbent dans ce secteur puissent avoir, je dirais, des éléments d'appréciation très, très importants. Justement, voici l'image des membres de ce bureau et à leur côté, il y a le ministre de l'économie et des finances, Romuald Ouadahi, c'est-à-dire donc le ministre d'État. Oui, il fallait donc préciser ça. Et dans ses propos, parlant du président du CNP Bénin, il a dit que l'ambition est d'améliorer le fonctionnement des entreprises et surtout de contribuer à la richesse et surtout à la création de l'emploi, quand on sait que nous avons quand même beaucoup de diplômés en République du Bénin qui sont en quête d'emploi. Il faut donc que le secteur privé soit véritablement bien pourvu pour absorber ce lot, dit Steve Poton. Alors, ce lot de chercheurs d'emploi. À l'instar de mes prédécesseurs, je dirais l'objectif d'une telle institution, en tout cas par rapport à ce qu'on voit ailleurs, c'est premièrement d'abord de faire la promotion des opérateurs économiques des entreprises du pays. Ensuite, contribuer aux côtés du gouvernement à la protection du tissu industriel de notre pays. Ensuite, maintenant, il y a quand même des fonctions émergentes d'une telle institution et le CNP du Bénin ne saurait échapper à ça. C'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C'est-à-dire ce que vous avez dit tout à l'heure, le développement durable. Donc, comment les opérateurs économiques, les entreprises d'une manière générale dans le pays contribuent au développement durable dans le pays. Ensuite aussi, il y a quand même à ce que on doit sentir le marqueur de CNP dans les progrès sociaux que nous observons. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans travailleurs. Donc, le progrès des entreprises, c'est d'abord le progrès des travailleurs. Et sur cette question, ailleurs, surtout dans les démocraties qui ont opté pour une économie sociale, je pense, on voit déjà les travailleurs ont tellement de droits qu'ils deviennent des actionnaires dans les entreprises, ce qui fait que l'entreprise est leur chose et ils travaillent vraiment au rayonnement des entreprises. Maintenant, l'équipe est certainement jeune, comme vous l'avez dit, mais l'autre chose qu'on peut constater aussi quand même, il y a dans l'équipe des personnes qui connaissaient déjà la maison.
Eustache Coutinga, par exemple, connaissait déjà la maison. D'ailleurs, il a assuré l'intérim après le départ de Sébastien Adjavon. Et Régis Facia, qui a été par le passé aussi l'un des membres du bureau, pour ne citer que ces deux-là. Il est d'ailleurs vice-président aujourd'hui. Il est vice-président aujourd'hui. Donc, je pense quand même que c'est des personnes qui connaissent bien les défis et les enjeux. Et on verra le maçon à pied du mur. À pied de. Oui. Voilà, on va évoluer avec le second sujet de ce matin. Alors, l'actualité, nous l'avons suivi de très près, les législatives en France. Hein. Ces élections qui sont intervenues pratiquement quelques mois après l'élection présidentielle française. Devrait-on dire que le calendrier de ces élections législatives n'a pas favorisé Emmanuel Macron quand il sort avec, je dirais, une Assemblée nationale où il n'aura pas la majorité, dites-nous Steve Poton. Je pense que ce n'est pas une question de calendrier parce que en 2017, après avoir gagné la présidentielle, en juin, il y a eu les élections législatives et son parti qui venait de naître, qui avait à peine deux mois, trois mois, a gagné les législatives au la main. Donc, je pense il y a un constat qui est là, ça dit quoi? Le président de la République, une fois, depuis que cette règle a été instituée, d'accord, après les élections présidentielles, n'a pas obtenu une majorité absolue au Parlement. C'est-à-dire une majorité qui permet à son groupe de former un gouvernement. Au-delà de cet échec de la République En Marche, parce que peut-être on peut dire que ce n'est pas un échec de Macron en personne quand même. Il vient de gagner la présidentielle dans l'espace de deux mois. Donc, si c'était vraiment un échec, un rejet de sa personnalité, je pense que les Français auraient fait mieux que de le congédier après cinq ans à la tête de l'État. Mais par contre, il faut pas oublier qu'en 2017, il est venu avec un groupe pratiquement à moitié de novices en politique. Et un groupe de parlementaires qui n'étaient pas ancrés sur les territoires, parce que le parti venait d'être nouvellement créé. Oui. Et ils n'ont jamais réussi à gagner les élections intermédiaires, c'est-à-dire les communales, les régionales, qui sont les élections qui vous installent profondément dans les territoires. Donc, l'échec peut être en partie lié à cela. Ensuite, quand même, il y a le grand vainqueur de ces élections législatives, d'ailleurs, à leur corps défendant et à leur surprise générale, c'est le parti Rassemblement National, qui s'est retrouvé avec 89 députés, alors que personne, aucun indicateur n'envisageait cela. Je pense que c'est un message très fort que les Français ont envoyé à leurs acteurs politiques, à la classe politique. Et il suffit de regarder autour de la France, dans l'espace européen, où la quasi-totalité des démocraties fortes comme la France sont des démocraties parlementaires, à l'exception de la France qui est une démocratie semi-parlementaire. Et donc, c'est peut-être... On va s'acheminer véritablement à une démocratie semi-parlementaire, mais dans la pratique, en tout cas, pour ce qu'on voit des résultats des législatives en France actuellement, ça va être un parlementarisme très, très fort, en fait, dans la gouvernance. Oui. Oui, il faut déjà noter que Emmanuel Macron a pris un peu la mesure de l'enjeu, parce qu'on a appris aujourd'hui qu'il reçoit. Il a d'ailleurs fait la demande hier, il reçoit les chefs de parti politique, et parmi lesquels, il y a, pour le moment, que Mélenchon n'a pas encore répondu à cette invitation, mais il reçoit tout de même Marine Le Pen. C'est vrai que quand il dit que c'est l'échec d'un système, je suis d'accord encore que pour qui a vu comment ça s'est passé, il s'agit d'une coalition autour de Macron. Oui, la coalition ça montre aussi également que la leçon que je tire, c'est que les Français, et comme tout autre peuple d'ailleurs, sait faire le départ entre une élection présidentielle et des législatives, y compris même des communales. Quand le peuple est invité librement à s'exprimer, c'est ce que cela donne. Il a dit également, il y a quelques semaines encore, Macron s'est représenté, les Français l'ont élu sans embâge, mais ici, ils lui ont dit attention, au Parlement, il te faudra une majorité
d'action. Parce que là, il faut maintenant qu'il essaie de rallier beaucoup d'autres partis politiques à sa cause pour pouvoir agir. Je pense que c'est aussi la vitalité de la démocratie et c'est ce qu'il faut souhaiter pour une bonne démocratie. Oui, à l'arrivée, avec ces résultats obtenus, quelle fut votre analyse, Akive? Non, de toute façon, Steve fait bien de rappeler, je dirais, l'aspect temporel. C'est 7 semaines après la présidentielle qu'il y a les législatives, en deux tours, bien entendu. Et que certaines analyses vous diront qu'il y avait quand même comme des prémices de ce que, eh bien, les paliers de gestion sont différents, bien entendu. Ça, c'est la présidentielle. Comportement d'Emmanuel Macron en termes, je dirais, de figure, de représentation de la France sur l'échiquier national et international est approuvé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été réélu. Seulement que, eh bien, dans les élaborations au niveau des autres paliers de gestion, il a rappelé tout à l'heure les régionales, les municipales, et puis bien évidemment, avant hier seulement les législatives, ça mène véritablement à avoir d'autres acteurs qui sont, je dirais, les têtes de pont, les figures avec lesquelles, eh bien, les échanges sont faits. Donc du coup, eh bien, ce n'est plus la même personne qu'on a en face, on a quand même d'autres figures beaucoup plus différentes, et donc la posture n'est plus la même. On peut peut-être faire le choix de Patrice Talon. Il n'a pas fait le choix de son représentant au niveau, je dirais, d'une localité, parce qu'on estime peut-être que, eh bien, ce n'est pas la personne bien appropriée. Plus loin, c'est que, eh bien, on a constaté qu'il y a quand même, au regard des résultats sortis des unes, ce qu'on a souvent souhaité au niveau des forces de l'opposition. La gauche unie, unifiée, a fait un score impressionnant. Désormais, la première force de l'opposition, bien évidemment, la première force politique. Et à côté, Steve fait bien de rappeler le score historique qui a été réalisé par le Rassemblement national. Ce n'était pas du tout dans les tuyaux. Personne ne s'y attendait. Et donc, ça vient nous proposer un autre cliché, je dirais, du landerneau politique français. Ah oui. Et donc, du coup, il faut analyser les différents scores au cas par cas, pour en tirer les leçons qu'il faut, mais aussi voir ces résultats au-delà même de l'espace français, pour voir est-ce qu'il n'y a pas peut-être, je dirais, une certaine contamination de comportement autour. Et c'est pour ça qu'il a fait, je dirais, un bref aperçu sur les pays environnants, pour véritablement tirer le son et faire les analyses qui valent. En gros, c'est que déjà, le premier acte qu'il est en train de vouloir poser, c'est bien évidemment dialoguer avec toutes les forces politiques, parce qu'il en a aujourd'hui véritablement besoin pour une gouvernance dans l'intérêt supérieur de la France et des Français. Et donc, ça nécessite un réajustement au niveau des éléments de langage, au niveau des comportements et au niveau de l'action sur le terrain. Je crois qu'il y a bien des choses à tirer en termes de leçons pour ce qui concerne ces résultats sortis des unes. Et donc, en même temps, le rapporter sur ce qui se fait ailleurs aussi, ça ne manquera pas de pertinence. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la Macronie, si je puis ainsi m'exprimer, a reçu une claque. Il faut véritablement tenir compte. Alors, une question, comment gouverner, puisque Emmanuel Macron, aujourd'hui, face à cette équation, il a pris l'initiative de rencontrer les chefs de parti. Bonne initiative, avant bien même de se retrouver face à la réalité au Parlement. Alors, je pense d'abord, il faut le rappeler, c'est une tradition en France que dans des situations de crise d'une manière générale ou dans des situations exceptionnelles, d'accord, où l'intérêt de la nation ou bien l'intérêt général des Français est en jeu, je pense que c'est une tradition républicaine là-bas. Le président de la République, que ce soit de Sarkozy, Hollande ou autre, consulte toujours les forces politiques. Alors, la particularité de la rencontre d'aujourd'hui, c'est que beaucoup d'analystes en France estiment qu'on n'est pas loin d'une crise de régime. Une crise de régime dans la mesure où il y a tellement eu d'urgence à consulter les forces politiques que il y avait un conseil des ministres qui était prévu aujourd'hui, qui a été annulé. Alors, et donc, ce qui veut dire, quand même, le régime, Macron manque de levier aujourd'hui pour gouverner seul. Alors, comment il faut consulter les formations politiques? Le président va exposer la situation, va leur dire les enjeux pour la France et chacun va dire quelles sont ses attentes aussi en termes de gouvernance, les idées prioritaires, c'est pourquoi. Mais par contre, il faut rappeler un fait.
quand même, le président de la République française, Macron, a joué au poker et ça n'a pas marché parce que, après les élections présidentielles, quand même, il a nommé un premier ministre. Le premier ministre, en France, est un véritable acteur politique qui doit être un acteur vraiment clivant. C'est que qui a un socle politique donné. Ce qui n'est pas le cas avec Elisabeth Borne, qui n'a jamais été élue, qui n'a été qu'une ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal. Mais c'est insuffisant. Et d'ailleurs, parce qu'il revenait au Premier ministre d'aller chercher sa majorité, en fait, de mouiller le maillot, de porter le leadership. Et c'est, la majorité est donnée au Premier ministre qui a été nommé par le président de la République au lendemain des élections. Et on a vu en 2017 Édouard Philippe, oui, qui est un ancien de Alain qui est un jupéiste et qui a été élu maire de Havre. Et donc, quand il a été nommé Premier ministre par Macron, il est allé chercher la majorité et il l'a obtenu. Donc, peut-être si c'était une autre personnalité politique, Gérald Darmanin ou bien Bruno Le Maire ou d'autres, peut-être que le président de la République aurait eu la majorité. Deuxième chose qu'il faut dire aussi, c'est que depuis 2017, c'est-à-dire Macron évolue, hein, quand on l'observe, avec deux stratégies, ni de gauche ni de droite, quand ça l'arrange, et aussi la gauche et la droite ensemble, si ça l'arrange. Je pense... le second volet va beaucoup plus. Il s'est joué en quelque sorte sur ces deux leviers-là. Mais je pense que la France, en tout cas, Macron va s'inspirer d'un exemple qui a marché en Europe, c'est en Allemagne, où malgré la polarisation idéologique, c'est-à-dire la droite et la gauche, on a vu quand même Angela Merkel qui a gouverné pendant trois mandatures avec un gouvernement formé de SPD. Et de la CDU. Donc, je pense que cet exemple existe en Europe. Quand on voit aussi l'actuel Olaf Scholz qui, pour former son gouvernement en France, qui est quand même du SPD, Parti Socialiste, est allé composer avec les néolibéraux en Allemagne. Donc, il n'y a plus de polarisation idéologique en termes de pragmatisme politique ou bien de pragmatisme en termes d'action publique, d'action politique. Donc, je pense qu'il sera obligé de se tourner vers la droite, les LR, oui, pour voir comment composer un groupe. Mais le problème, c'est quoi? Contrairement à l'Allemagne, d'autres pays ont essayé ces cas de figure. On voit en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, qui sont des démocraties parlementaires. Mais pour un oui, pour un non, ces majorités volent à l'éclat. Et on a vu le nombre de premiers ministres que l'Angleterre a connu ces 10 dernières années. La même chose en Italie où il y a eu pratiquement une instabilité institutionnelle. Donc la crise de régime, si Macron ne la maîtrise pas rapidement, ça peut se transformer en une crise institutionnelle pour la France, voilà, en fait. Justement. Alors on va revenir un peu chez nous, hein, dans les minutes qui vont suivre. Et déjà je veux partager avec vous et en plateau et nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment le message du chef de l'État, Patrice Talon, qui à propos de ses résultats dit que parle des résultats des élections législatives, quoique mitigées pour vous et pour Ensemble, demeure un moindre mal. Et bien au contraire, il marque ses tournants parfois nécessaires aux grandes nations qui ont besoin de se réinventer dans les moments difficiles. Le monde va mal et la France n'est pas épargnée. La routine et la sérénité ne sont peut-être pas les meilleurs atouts pour la France en ces circonstances-ci. Et il poursuit en disant que la France a besoin de se réinventer politiquement pour préserver sa grandeur et ses acquis, voire satisfaire ses attentes. C'est une nouvelle dynamique et un nouveau génie qui vous interpelle personnellement, cher président Macron. Je n'ai pas de doute que vous disposez des moyens pour y parvenir, notamment le doigté et la clairvoyance nécessaires. C'est la marque des grands hommes. À la lecture de ces mots, ce message de Patrice Talon, c'est vrai que sur la toile, hein, nous avons eu beaucoup de réactions et beaucoup de commentaires aujourd'hui. Beaucoup qui se demandent pourquoi Patrice Talon adresse un tel message à Emmanuel Macron. Vous vous êtes aussi posé cette question, Hakim Ousseini? Non, moi, je ne me suis pas posé cette question, oui, parce qu'il a félicité Patrice, oui, et Mme Macron quand il a été réélu. Et donc, il y a encore une élection. Et donc, du coup, il fait une analyse de l'élection. Ici, il ne s'agira pas de le féliciter tel que ça a été le cas à l'occasion des présidentielles. Mais lorsque, eh bien, on vous renouvelle la confiance en avril, et qu'en juin,
à travers les législatives, vous vous sentez en difficulté, il faut forcément quand même l'analyser. Je crois que c'est une analyse très claire et succincte qu'a fait le président Patrice Talon, une adresse à son homologue français, et qui retrace bien évidemment ce qui est de l'analyse et de la lecture qu'on peut faire des législatives en France. Il faut se réinventer, il faut y aller avec doigté. Et il ne doute pas de ce que bien le président Emmanuel Macron a donc des éléments et les leviers aussi importants sur lesquels il peut jouer pour véritablement gérer la situation. Parce qu'au-delà même, Christian, de ce qui est bien, dans les urnes et aux sorties des urnes, ce n'est pas la majorité confortable souhaitée par le président Emmanuel Macron qu'il a pour la gouvernance des prochaines années. Mais ce qu'en même temps, je crois qu'on l'avait déjà dit quand on analysait les résultats de la présidentielle dernière, Steve, avec sur le plateau, qu'il y a aussi cet autre élément sur lequel il faut mettre l'accent, c'est la désaffection de plus en plus des Français quant à la chose électorale. Vous avez lu... Le pourcentage d'abstention, c'est 52% plus, qui bat même le record de 2017 où on était à 51%. Et donc ça aussi, c'est un autre chantier sur lequel forcément le président Emmanuel Macron a et les autres acteurs politiques ont à réfléchir. Mais dans l'immédiateté et dans les faits et sur le terrain, c'est que bien évidemment, il va falloir forcément qu'il puisse réajuster. C'est l'heure du réajustement. Ce n'est plus, mettons quoi, un passe-droit ou un long fleuve tranquille, c'est qu'il faut y aller avec les nouveaux impondérables. Et forcément, eh bien, quand on est Emmanuel Macron, on a quand même des éléments sur lesquels on peut, faire, on peut jouer pour que eh bien, les lignes puissent véritablement bouger. Je crois que l'adresse, elle est quand même succincte, elle est quand même claire, elle est quand même limpide. Et puis, on peut forcément comprendre que, eh bien, après, ça va féliciter Mme Macron. C'est un parallélisme des formes, mais il a fait pour la présidentielle et le fait pour les législatives. Oui, on vous écoute. Oui, je pense à la lecture générale que la géopolitique actuelle oblige, y compris les grandes démocraties, à un certain réajustement. Et c'est ce que le président Talon a écrit dans son message quand il dit que c'est peut-être parce que la routine et la sérénité ne sont pas les atouts en ces circonstances. Oui. C'est pour dire quoi? Que face à toute situation, il faut pouvoir ajuster, il faut pouvoir revoir son horloge, il faut penser que bon oui, c'est déjà un acquis, je continue, je perce. Parce que justement, Steve est revenu sur ce qui s'est passé juste au lendemain de la présidentielle, à savoir que Castex est parti et il a cru devoir nommer Elisabeth Borne, une femme pour un peu remonter un peu le sac de popularité. Mais ce qui s'est passé aux législatives a montré que elle n'était pas une femme politique. Et donc aujourd'hui, ça appelle forcément à un réajustement, ça appelle forcément à ce que les Français se réinventent. Contrairement à ce qui se dit, je pense qu'il y a aussi une jeunesse française qui de plus en plus s'exprime. Et donc qui fait que Marine Le Pen aujourd'hui se retrouve dans une certaine posture qui lui permet aujourd'hui de pouvoir négocier, de pouvoir se dire à Emmanuel Macron, attention, je prends part aux décisions. C'est vrai que comme il a également dit, quand il y a crise, les Français savent toujours se réunir, savent toujours évoluer. Mais ça peut vouloir expliquer, par exemple, qu'en 2023, au Bénin, nous puissions aussi avoir des élections comme ça. Et que les choses puissent ne pas se faire dans la routine et dans la sérénité aussi. Oui, votre analyse. Oui, en fait, bon, d'abord, il faut partir de très loin. Et on voit les signaux dans le message. C'est-à-dire, le monde va mal, dont parle le président. Je pense quand même qu'il y a eu un rapport de Freedom House, je crois, de 2020, fin 2020, début 2021, qui disait que la démocratie est en recul dans le monde. Exactement. Quel type de démocratie en recule dans le monde? Parce que cela ne veut pas dire que les populations, mais les citoyens à travers le monde sont contre les valeurs démocratiques, c'est-à-dire contre la liberté d'expression, contre autres valeurs démocratiques, sont la bonne gouvernance, le développement durable, les droits de l'homme et tout ça. Mais ce qui est en recul peut-être dans le monde, c'est la démocratie représentative, en tout cas. Parce que l'abstention qu'on observe en France à travers une élection législative comme celle-là, c'est-à-dire où on demande aux citoyens d'aller désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale et ils s'abstiennent de le faire. Donc, il faut questionner le modèle de démocratie représentative que nous avons. Et ce n'est pas une question qui est adressée à la France, c'est une question qui est adressée à toutes les démocraties modernes à travers le monde.
Ensuite, ce qu'il faut dire à travers le message quand même, c'est un message codé. Parce que la dernière fois que les deux hommes se sont vus, c'était le Take Five. Donc, c'est sûr que le président Macron c'est sûr qu'ils se sont parlé en off des questions démocratiques, des oppositions politiques ou bien de la gouvernance démocratique d'une manière générale au Bénin. Et ce message, bon, c'est en train de dire, parce que le message dit, ben, tragique, quand même, le résultat, ce qui s'est passé, c'est, ça ne s'est jamais produit en France, je pense, depuis Général de Gaulle. Et après ça, c'est-à-dire, on demande de réinventer. Bon, c'est une manière, réinventer la politique pour assumer la grandeur de la France à travers le monde. Et c'est ça ce que je disais tantôt, c'est-à-dire quoi? C'est une nouvelle ère politique qui s'offre aux acteurs politiques français. C'est véritablement, on va constater à travers cette configuration politique de l'Assemblée nationale, si les acteurs politiques sont capables de travailler pour l'intérêt des Français. Ça, au moins, on se laisse, parce que d'autres pays, notamment l'Allemagne, comme je l'ai cité tout à l'heure, a essayé de le faire et se porte relativement mieux par rapport à la France sur le plan de développement économique. Ensuite, je pense quand même que c'est une manière aussi, à travers ce message, de dire qu'en politique, c'est le terrain qui commande. Ouais. Et donc, La dernière question, oui, c'est le dernier synthé que nous aurons à l'écran, les législatives en France, les législatives au Bénin, dans pratiquement 7 mois. Est-ce que l'issue de ce scrutin annonce les couleurs pour le Bénin? Et vous avez déjà commencé à le dire. Oui. Il s'agira de quoi? Non, le grand enjeu pour les élections de 2023, et je pense pour notre pays, c'est de redonner le Parlement au peuple béninois. Parce que les élections de 2019 se sont passées dans des conditions où ce serait inutile de les rappeler ici. Mais je pense quand même que pour la faveur des débats politiques auxquels on était habitués au Parlement. Aujourd'hui, sincèrement, quand on s'intéresse à l'actualité au Parlement, à la limite, c'est sur des faits divers qui se sont produits là-bas. Donc, je pense qu'il faut vraiment... On n'a pas l'impression que les grands sujets d'intérêt national sont débattus véritablement au Parlement. Et je pense que les députés qui siègent actuellement aussi doivent en manquer. En tout cas, pour ceux qui sont les plus expérimentés. Donc, le grand enjeu, c'est de retourner le Parlement au peuple. Retourner le Parlement au peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que, véritablement, les tendances politiques qui sont en mesure d'être représentées au Parlement pour porter la voix d'une partie des Béninois et de l'ensemble des Béninois soient représentées. Et je pense que c'est un défi pour l'ensemble de la classe politique qui doivent trouver un moyen pour quelques querelles politiciennes et de travailler ensemble pour redonner pour vraiment rendre le Parlement Alors, de part et d'autre, des réajustements à faire Obligatoirement, il faut absolument des réajustements. Sérénité, routine. Comme il l'a dit, Patrice Talon a envoyé un message codé à Talon et à Macron pour lui dire attention, nous savons ajuster nous aussi. Pour savoir lui dire attention, il faut retenir le Parlement au peuple, comme Steve l'a dit. Ici, il s'agit en fait de désigner les représentants du peuple. Et donc, quand il y a une désaffection du peuple pour désigner ses représentants, il faut alors travailler dans le positionnement utile et opportun, pour ne pas faire en sorte que le peuple s'abstienne de reconnaître à travers celui-là son représentant. Donc, je pense que c'est des ajustements qu'il faut faire. Et je pense que Patrice Talon, actuellement, ne doit pas être serein et sait qu'il ne doit pas être dans la routine, comme il a fait dans le message qu'il a adressé à Macron. Quand on regarde ce qui s'est passé en France, oui, Hakimi, on va finir quelques secondes. Positionnement utile, en témoin d'ailleurs, c'est ce qui fait la une de l'actualité au thème des législatives, la franco-ivoirienne, s'il faut ainsi l'appeler. Et donc, du coup, son engagement en son temps pour la lutte de la couche qu'elle a représentée et qu'elle représentera désormais l'Assemblée nationale, puisqu'elle annonce les couleurs, qu'elle va faire le ménage au niveau de l'Assemblée nationale, un peu un doux euphémisme, comme pour dire que forcément, eh bien, on doit s'attendre véritablement à ce qu'il y ait comme un réajustement aussi au plan national. Les élections, on les veut ouvertes, on les veut inclusives, et donc, du coup, les forces politiques légalement enregistrées au ministère de l'Intérieur vont y être. Ça n'est donc pas ça ne sera plus, comme l'a dit tout à l'heure Steve, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Ça va être avec les autres forces politiques. Et puis, ces autres forces politiques peuvent aussi tirer le son, je dirais, du comportement de la gauche
en France. Et puis, eh bien, on peut aussi avoir des impondérables comme c'est le cas avec le Rassemblement national. En gros, le jeu il est bien ouvert. Et d'ici 7 mois, Christian, j'espère qu'on se retrouve sur le plateau et qu'on dise aussi que, eh bien, au niveau de l'institution parlementaire, ça a beaucoup plus bougé. Parce qu'on ne va pas oublier que ça va être une législature de transition qui annonce donc les élections générales de 2026. Voilà. En tout cas, après la France, comment donc réinventer la politique au Bénin pour que les prochaines législatives soient donc inclusives, apaisées et que le peuple béninois se sente véritablement représenté à l'Assemblée nationale, 9e législature. Je pense qu'on reviendra en plateau et qu'on fera ce débat. Guylaine Oustib-Coton, merci beaucoup. Merci. Merci Herman. Merci. Akimé, merci. C'est moi. Très bonne journée. Du mardi à vous. Voici la revue de presse. À toutes et à tous, bonjour. L'examen du baccalauréat a commencé lundi et Fraternité fait le constat général que la phase écrite des épreuves du baccalauréat session de juin 2022 a démarré hier sur l'ensemble du territoire national. Plus de 77 000 candidats sont répartis dans 133 centres de composition à cet effet. Si ces épreuves ont été lancées à temps dans la majorité des centres, la plupart des candidats les trouvent abordables, du moins pour la matinée. Le matinal parlant de la polémique autour des rapports sur la gestion des fonds Covid se demande si c'est un mauvais départ pour la Cour des comptes du Bénin. Comme réponse, le journal estime que seuls les détracteurs de Patrice Talon répondront toute honte bue par l'affirmative. La Cour Ismat Biotchane, à propos du rapport, a joué sa crédibilité et prouvé aux Béninois qu'ils peuvent inébranlablement compter sur elle. Ainsi dire, les justiciables de la haute juridiction en matière des comptes de l'État sont prévenus. Il n'y aura pas de subjectivité ni de magouille. Tout sera mis à nu dans les moindres détails tant que les justificatifs ne sont pas donnés ou trouvés. Dans la suite, le challenge s'intéresse au développement des infrastructures routières au Bénin et écrit que les infrastructures occupent une place de choix dans le programme d'action du gouvernement Talon 2. Ainsi s'exprimait le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Khéroumen, à l'entame de son passage sur l'émission « Le gouvernement en action ». L'émission a été l'occasion pour le ministre Hervé Khéroumen de mettre la lumière sur les grands chantiers réalisés et ceux annoncés pour les 4 prochaines années. Dans leur parution du jour, nombre de journaux sont revenus sur la publication du livre de la présidente de l'Institut de la femme, Claudine Fiavi Prudencio. C'est le cas de l'autre vision qui écrit que figure de pro de la scène politique nationale, très connue pour son leadership ou charisme avéré et son engagement au service de l'autonomisation de la gente féminine, Claudine Fiavi Prudencio vient de rendre disponible dans les librairies son tout premier ouvrage au titre assez illustratif de son engagement au service de la gente féminine, au nom de la femme, une plume assez originale et digeste au service du combat pour l'émancipation de la femme au Bénin, qui prouve avec éloquence et délicatesse que Claudine Afiavi Prudencio, qui était connue pour son militantisme politique, pouvait aussi, avec une élégance unanime, mettre au service de ses convictions ses qualités intellectuelles et compétences littéraires pour dénoncer l'état de la société. Soleil levant de faire observer que Claudine Prudencio valorise autrement la gente féminine. Fraternité rapporte qu'Afrobarometer vient de livrer les résultats de 2 nouvelles enquêtes sur l'économie du Bénin et le train de vie des populations. Selon la première enquête, la majorité des Béninois ont fait une forte ou modérée expérience de pauvreté vécue au cours de l'année passée, selon la dernière enquête. En effet, la plupart des citoyens ont vécu un manque de revenus en espèces, d'eau potable, des soins médicaux, de nourriture et de combustible au cours des 12 mois précédant l'enquête. La majorité des Béninois désapprouvent la performance du gouvernement
dans l'amélioration des conditions de vie des pauvres. C'est dans ce contexte que l'économiste du Bénin renseigne qu'alors que la situation alimentaire dans le monde connaît une évolution préoccupante et n'épargne ni pays développés ni pays moins avancés, les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce sont convenus d'une synergie d'action. À l'occasion de la 12e conférence ministérielle de l'OMC, tenue à Genève, un appel a été fait en conséquence et pour éviter une crise alimentaire aiguë dans le monde, les pays membres de l'organisation s'engagent à prioriser la voie de la coopération pour l'accessibilité des produits alimentaires. Merci d'avoir été à l'écoute. Allez, c'était Actu Matin chez vous ce mardi. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.